Revelio. Revelio. Ah, quel plaisir de te voir ici.
Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrok, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais pas Rockwood ni Arlo. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissée impressionner par Rockwood et Arlo. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrok. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfiant! Action. Qui va détaler à Poudlard? Les Fiosos. Action. Incendio. Tu ne survivras pas à cette bataille. Quelle impertinence! Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Voilà! Arrête, Protego! Est-ce que tu peux les repousser? Je n'irai nulle part avec vous. Ne fais pas ça. Oh. Attends un peu que je descende. Qu'est-ce
ce qui s'est passé, bon sang! Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard! Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ? Si Sir Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Revelio. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio ! Par la barbe de Merlin ! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial.
Revelio. Leggioso. Action. Incendio. Les bûchers doivent être enflammés, c'est évident. Incendio. Les bûchers semblent s'écrouler si les autres ne sont pas enflammés assez vite. Incendio. Revelio. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres.